What's up, mes gens? What's up, tout le monde? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On commence ce vlog comme ça. Ce sera un vlog, c'est un lundi. Non, mais attends. La peau de la fille en ce moment, c'est le game. C'est le game. Ma peau, mes lèvres. Oh, il faut que je vous raconte. Mes lèvres en ce moment. Je mets que le beurre de karité de Diarra Cosmétique. Il y a que le matin et le soir. Avant d'aller me coucher, je mets le matin. Je le mets. OK? That's it. Alors, vlog du lundi, un jour de carême. Vous savez, on est en plein temps de carême. Ce sera toute la journée pour vous montrer comment je gère mon carême. À savoir que le repas que j'ai choisi, c'est le repas du midi. Donc, le carême, c'est comme ça que ça se passe. On mange une fois par jour. Soit vous mangez le petit déjeuner, soit vous prenez le midi, soit vous prenez le dîner. OK? À savoir que il y a des. Comment on appelle ça? C'est des efforts de carême. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez jeûner, mais il y a aussi l'aumône, il y a. Vraiment, c'est se transformer, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Et moi, je pense que c'est aussi le moment de montrer une autre facette de soi-même et aussi de prendre de nouvelles habitudes. Parce que c'est 40 jours, donc en 40 jours, tu imprègnes les nouvelles habitudes. OK? Donc pour moi, j'ai plein de choses que je veux rajouter, changer et tout dans mes habitudes. Et je pense, ça m'avait déjà aidé l'année passée. Mais non, ça m'a aidé en 2019 quand j'ai commencé le jeûne intermittent, parce que je vais vous le dire, j'ai commencé le jeûne intermittent après le carême, parce que c'était déjà facile de pouvoir faire ce que je faisais déjà, quoi, un repas par jour. Donc là, j'avais droit à plus de repas, mais je pouvais commencer à 13 h. Okay? Donc ça, juste pour vous donner un exemple, c'est à partir d'un carême que j'ai commencé à faire le jeûne intermittent et que ça marchait. Okay? Donc c'est un moyen de prendre des bonnes habitudes. Okay? C'est un moyen aussi de détoxifier votre corps. Sérieux, moi, ce que je veux faire, c'est plus me rabattre sur tout ce qui est légumes. Vu mon état de santé, je suis obligée d'avoir quelque chose qui me fait tenir. Quand je dis mon état de santé, je ne dis pas que je ne suis pas malade, hein. Je veux juste dire que j'ai beaucoup de carences et que voilà, pour moi, les carences, ce n'est pas une maladie. Ok? Voilà, j'ai mes compléments alimentaires. Soit des œufs pour la protéine ou du poisson ou de la viande de temps en temps. Il y a des moments où à la maison on fait de la viande et je vais manger, oui. Mais c'est pas trop mon truc. Je sais pas si vous le savez, en dehors des burgers, je suis pas très viande. Il y a beaucoup dans ma famille, on me dit tout le temps, comment tu peux aimer la margarita? Il n'y a rien dedans, il n'y a que des légumes et tout. Je pense que je suis végétarienne. Je ne sais pas encore, mais je suis végétarienne. Parce que j'adore les pizzas végétariennes. J'adore les sushis et tout ça. C'est plus crevettes, vous voyez. Ou ce genre de choses. J'adore la salade de choux, des trucs comme ça. Je ne suis pas très. Même le poisson, je mange quelques poissons, je ne mange pas tous les poissons. Voilà quoi. Je sais pas ce que je suis. En tout cas, je sais que j'ai une très forte sélection dans tout ce qui est viande et poisson. Ok? Désolée, j'ai fait tomber le truc. Voilà un tout petit peu. De toute façon, je vous montrerai mon plat aujourd'hui, mais j'ai décidé de mettre tout le temps des légumes. J'impose les légumes dans mon alimentation. Si vous voulez voir un tout petit peu des choses sur mon alimentation, sachez que je vais ouvrir un autre TikTok où je parlerai de l'alimentation, de conseils, des trucs comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais Agnès,
comment tu as fait pour tenir 3 ans où tu n'as pas grossi comme tu faisais d'habitude et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire des trucs serrés sur ça pour voir. Ça peut aider des gens et voilà. Y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre que je dois dire? Ma journée, c'est comme tous les jours. Je me suis réveillée, il était 7 heures. Je suis allée prendre ma douche. Là, je vais faire ma prière et je vais commencer mon premier boulot, c'est-à-dire mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux, tout ce que j'ai à faire sur les réseaux, les posts que je dois faire pour les gens, etc., les créas que je dois envoyer, etc., etc., pour le matin. Après, on doit aller récupérer des parfums pour mon stock parce que j'ai des paquets à faire. On doit faire des paquets et on doit les envoyer. J'envoie beaucoup par Yango, même s'il y a des livreurs, vraiment, je ne comprends pas. Yango. Can we talk, please? Je dois faire des livraisons. Quand j'ai fini les livraisons, j'ai quoi d'autre à faire? J'ai plein de choses à faire. De toute façon, vous allez être avec moi et vous allez voir comment mon énergie va chuter. Parce que oui, mon énergie chute au cours de la journée. Autre chose, caractéristique qui arrive que quand je suis dans le carême, mes yeux, j'ai des contours des yeux qui sont un peu plus foncés quand on est en temps de carême que d'habitude, quoi. Mais maman, regardez ma peau. Il y a une routine qui arrive de toute façon. Là, j'ai de l'énergie, hein. Mais regardez-moi dans quelques temps. So, je vais vous laisser et si. Ok, là maintenant, on est habillé, on va y aller. Il faut que j'aille récupérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un stock parce que j'ai beaucoup de livraisons à faire. Ensuite, j'ai un rendez-vous, puis après, je reviens. À savoir que pour le carême, j'ai choisi le midi. Je ne peux pas faire le matin, je ne peux pas faire le soir. Je préfère le midi, le repas du midi. Et bon, ça, je l'ai déjà dit. Je prends le repas du midi, donc je ne sais pas encore ce que je vais manger. Je pense que Marie va faire une sauce, donc je risque de manger la sauce, mais je vais inclure. De toute façon, au moment même, je vous en parle. En tout cas, je vais travailler, je vais aller récupérer mon stock, j'ai un rendez-vous, j'ai des livraisons. Ok? So, yeah, c'est pas parce qu'on est en carême qu'on travaille pas. Let's go! Hello. Bon, ça y est, je suis revenue à la maison. Ce qui va se passer, c'est que je suis désolée de vous prendre comme ça, mais je commence à fatiguer. Ça se voit, non? Ce qui va se passer, c'est que je vais manger. Finalement, ce sera salade, vermicelle. Je vous montrerai de toute façon. Je vais me changer parce que ça, j'en ai marre. Je vais porter mon petit pull noir là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais porter mon petit pull noir et on va manger correctement. Il faut que j'aille chercher du fer. Il faut que j'aille chercher du fer. Je n'ai plus de fer. Il faut que j'aille chercher du fer. Et ça tombe très mal parce que avec le carême, il me faut du fer. Il me faut vraiment du fer. Donc je vais chercher du fer. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Et après, je vais travailler. Oui, quand même.
Ok, alors pour mon repas du jour, vous aurez. Vous savez quoi, je vais vous prendre de l'autre côté. Ok, là vous avez des vermicelles, une sauce et un morceau de viande. Là vous avez de la mayo et une salade. Dedans il y a avocat, concombre, chou, tomate et une marinade que ma maman fait. Ici vous avez du lait et des ananas et vous avez mon café. Voilà mon seul repas du jour. Je vais vous dire, c'est d'habitude je mange pas autant. Quand j'ai dit pas autant, c'est parce qu'après le soir, je mange encore quelque chose. Mais là, on n'a qu'un seul repas. Et si vous ne le savez pas, j'ai une anémie, je suis drépanocytaire. Donc, j'essaie d'avoir le maximum le midi parce que le prochain repas, c'est midi de demain. OK? Parce que j'ai choisi le repas du midi. Le seul truc vraiment gras que vous aurez, c'est celui-là. OK? À cause de la sauce. Mais en vrai, vous avez tous les apports dont j'ai besoin. En plus de ça, je prends du magnésium, je prends de la biotine, de la vitamine D, et c'est tout. Et c'est tout. Pour l'instant, on va prendre ce jour-là, donc ce sera pour l'instant. Et bien sûr, j'ai mon bidon d'eau là. J'essaie d'en boire deux. Comme ça, voilà, je suis refaite. So, voilà mon repas. Je voulais en parler. Et si vous voulez, je ferai une vidéo où je vous dirai pourquoi je prends ce genre de repas et les avantages de chacun. OK? Donc, ce que je fais, c'est que pendant que je mange, c'est l'heure, entre guillemets, de la pause avant le deuxième travail. Ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je vais en profiter pour mettre en ligne mes stories du midi, parce que je fais trois posts en story. Je fais le matin, le midi et le soir. OK? Sauf si j'ai quelque chose de très important à dire. OK? So, on va commencer. Je commence par quoi? Par la prière. Je commence par la prière et je vous reprends après pour qu'on continue le reste de la journée. Okay?